Et bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. On se retrouve ce matin pour notre live consacré à la première partie du top 20 poste d'ouvrier. On va aller de la 11e à la 20e place, comme ça dure une petite heure tranquille, détendue. Et on essaiera de faire une prochaine vidéo sur la crème de la crème de la poste d'ouvrier. Alors sur le top, moi j'ai fait vraiment pas mes préférences, hein. Donc c'est vrai que c'est un genre qui est très représenté. Au début, je voulais faire un top 10. Et finalement, ça basculait en top 20 parce que la liste ne faisait que s'agrandir à chaque fois. Je rajoutais des noms, je rajoutais des noms et tout ça. Et donc du coup, avec toute cette sauce, ben, en fait, j'ai fait mon petit classement. Salut Marie. Bon, poste d'ouvrier, je pense toi que Marie, tu maîtrises. Et alors, vous verrez, il y a certains absents. Donc, au niveau de la pose d'ouvrier, j'aime bien les poses d'ouvrier relativement classiques, quand c'est pas forcément hybridé, même si vous verrez dans les 10 premiers, il y a un gros hybride de la pose d'ouvrier. Mais voilà, l'idée c'est d'échanger sur 20 jeux qui ont attiré mon attention et qui m'ont vraiment fait kiffer, quoi. Donc, on va commencer par le 20e. Et pour le 20e, en fait, on va passer directement sur BGG. Parce que ouais, Marie confirme qu'elle aime bien les jeux de pose d'ouvrier. Et le 20e, eh, on va commencer par une devinette. Pour le 20e, en fait, c'est un jeu qui est en rupture depuis 3-4 mois, qui a été un des meilleurs jeux du dernier trimestre 2023. Et c'est un jeu. On a une couleur dedans, dans le titre. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va laisser quelques secondes. Alors, si les gens réussissent à. Si Marie réussit à trouver le nom du jeu. Alors, pendant ce temps, je vais faire mon petit réglage. On va aller sur BGG. Hop. Et je vais taper le nom du jeu en live pour qu'on ait la réponse. Et voilà, il est là, le 20e de la liste. C'est The White Castle. Donc le numéro 20 de mon top poste d'ouvrier, ça sera Château Blanc. Alors attendez, je mets le chat, voir. Oui. Ouais, alors franchement, Château Blanc, je n'y avais pas pensé au départ. Et finalement, après, je me suis dit, attends, Château Blanc, quand même, ouais, il y a de la pose d'ouvrier, tu bloques des emplacements, donc ça le fait, quoi. Donc après, c'est vrai que je me suis posé dans ma tête, comment définir la pose d'ouvrier, enfin, les prérequis des poses d'ouvrier. Et un truc, par contre, qui m'a sauté aux yeux, c'est que la pose d'ouvrier, à deux, je dirais, c'est quasiment sa meilleure configuration. De tous les jeux en pose d'ouvrier que j'ai joué, ben, j'ai trouvé qu'à deux, c'est là où c'était le plus fluide, globalement, hein, le plus fluide, le plus tendu, et là où le ratio temps-plaisir était le meilleur. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains jeux de poste d'ouvrier que j'aime bien, mais quand on joue à 3 ou à 4, c'est un petit peu lourdingue. Et c'est vrai que souvent à deux, ça tabasse bien. Après, voilà, le principe. Hop, petite livraison. On a des jeux qui arrivent. Vous l'avez vu. Après, ouais, la pose d'ouvrier, en fait, l'un des prérequis aussi, c'est le fait d'avoir un emplacement, un côté open opportuniste où on va bloquer des éléments. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de ces éléments-là. Le fait qu'on a un petit bonhomme ou un petit cylindre et on va le poser sur un emplacement. Bon, ça, c'est un des gros points de la pose d'ouvrier. Seulement 20, trop dur de choisir. Ouais, déjà 20, c'était chaud. Mais on voit que c'est très représenté, hein, comme type de jeu, hein. 5 ex aequo, il y a Olivier qui dit 5 ex aequo à chaque étape, sans jeu, je suis tranquille, question choix. Ouais. Bon, après, là, je suis à 1072 jeux testés. Donc, prendre 20 postes d'ouvriers parmi tout ça, même s'il y a pas mal de genres.
de gens représentés. Ça le fait. Ouais, il a l'air super beau. Ouais, il est très beau. Très beau, très rapide. C'est le poste d'ouvrier le plus rapide, celui-là, en tout cas. Je pense 30 minutes, c'est plié. Et il revient fin mars. J'en serai peut-être des précos sur mon Discord. Je vais te montrer quelques images, tu vas voir. Ça, c'est joli aussi. Le système avec les dés, la priorisation. Alors, ça aurait pu être un cousin de Feld qui le fait. Parce que des endroits où on pose des ouvriers, où on prend des dés, qui a un rapport dés-action, Feld, il aime bien ce genre de mécanisme. Bon, par contre, si tous mes fournisseurs m'envoient des mails ce matin, on va pas s'en sortir. Et ouais, il y a quasiment, je teste quasiment 150 à 200 jeux par an, ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. Donc, vous voyez, le plateau, il est chouette. C'est coloré, mais c'est ergonomiquement très bien fait. Voilà, ça fait pas mal aux yeux. C'est bien équilibré. Et c'est ceux qui avaient fait Cathédrale Rouge qui avaient fait celui-là. Ouais, il est chouette. T'as envie de refaire une partie tout de suite parce que tu essayes d'optimiser tes coups. Et ça nous met la pression. Dans la pose d'ouvrier, où on a la pression en se disant, il faut faire maintenant, right now, le bon choix. Voilà, c'est bien, ça bouscule un peu nos habitudes, je trouve, ce jeu-là. Parce que dans la pose d'ouvrier, on est là, on planifie, tranquille, on fait ça, on sait déjà, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, on est un peu plus au taquet. Et je trouve que la sensation de jeu, elle est vraiment assez unique. Voilà, je trouve que ça modifie nos habitudes de gros joueurs. Voilà, hop, on vous montre quelques images. Ouais, l'univers graphique, il est beau, hein. Voilà, hop. Allez, c'est bon pour le 20e. On revient. Donc, voilà, on me retrouve. Et 20 sur 1000, ce n'est plus une sélection, c'est un génocide. Ah ouais, là, à coup de hache. J'ai pris mon top 1072 et à coup de hache. Tiens, ça, toi tu vires. Wow. Ouais, ça s'est passé un peu comme ça. Bon, dans les 1072, il y a Double aussi, hein, donc Double direct, bah, je l'enlève dans les postes d'ouvriers. Bon, il y a des choix plus ou moins faciles quand même. 19e. Alors, 19e, c'est un grand classique. Hyper plébiscité dans le monde entier. Touk. Alors, quelle caméra je vais mettre? Celle-là. Alors, il est hyper plébiscité dans le monde entier. Il y en a certains, il y en a beaucoup qui le mettent dans le top 1 de tous les temps. Moi, j'aime bien. Il y a certaines choses que j'aime moins dans le jeu. Voilà, je sais que. Contrairement à certains, de manière étonnante, j'ai pas eu un coup de cœur immédiat. Mais c'est l'un des plus beaux, sans distinction possible. Il s'agit d'Everdell, 19e. Alors, Everdell, toc, il est extrêmement beau. Le concept est très sympa. Il faut constituer en fait son petit village. Il faut constituer son arbre aussi. On va le mettre là. Hop, donc il faut constituer son arbre aussi. On va le mettre comme ça. Voilà, ça c'est notre arbre. Première étape, construire son arbre. Et en fait, le principe, c'est que on va avoir des cartes. Moi, ce que j'aime moins dans le jeu, c'est vrai, c'est ce côté lecture des cartes. Mais l'univers, il porte le jeu, quoi, c'est incroyable. Coucou Jean Didier, bienvenue sur le top 20 postes d'ouvriers. Et donc en fait, on va à chaque tour récupérer des ressources, construire des bâtiments, récolter des bénéfices de certains de nos bâtiments, de notre village. On va avoir des actions semi-privées que l'on va débloquer sur notre plateau. Et le but, en fait, c'est de faire un village, je crois, de 12 cartes, il me semble. Donc, moi, un truc qui me gêne un peu dans le jeu, c'est qu'au niveau des ressources, on peut, si on s'y prend pas forcément hyper bien, être un peu toujours un peu limite au niveau ressources. Des fois,
des côtés un petit peu bloquants qui m'ont pas totalement satisfait. Mais voilà, après le côté plaisant, c'est de d'acheter les bonnes cartes, de faire des synergies, d'exploiter au mieux ses ressources, de faire les bonnes actions. Et en fait, la particularité, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvriers. Donc on a, à l'inverse de Wingspan, on a un jeu qui se déploie plutôt qu'il ne décroît. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et le matériel, il est absolument oufissime, hein. Le matériel, il est dingo. Hop. Toc. Le matériel, il est dingo. On va regarder les ressources. Toc. Et vous voyez, les ressources, elles sont super belles. Donc ça fait partie du plaisir du jeu. Avec nos petits ouvriers. C'est nos ouvriers de la forêt. Voilà. Et là, on a déjà, je crois, 5 extensions plus Far Shore. Donc, on a un hiver qui est très bien fourni. Les bordures de la carte, je crois que ça s'appelle Far Shore. Donc, l'univers va encore se développer pour le plus grand bonheur des passionnés de ce jeu. Et c'est vrai que dans les extensions de d'Everdell, Spire Crest est la plus plébiscitée, ainsi que celle avec le train. Comment il s'appelle? C'est pas Mirkwood, ça c'est avec les araignées. Je me rappelle plus le nom. Comment il s'appelle déjà? Cool. Je me rappelle plus du nom avec le... Comment ça s'appelle déjà? Si quelqu'un se souvient de l'extension d'Everdell avec le train, Leaf, bonjour. Belfer, ah, Belfer, pas sûr. On va regarder, tiens, on va regarder sur BGG. Non, je crois pas que ça soit Belfer, je vais te dire ça. On va regarder. Alors, Everdell. New Leaf. Je crois que c'est New Leaf. Ouais, c'est ça, c'est New Leaf. Ah, vous voyez, ouf, 8,6, elle est notée. Hein. 1200 votes, 8,6, ça tabasse. Hein. Voilà, les deux meilleurs, c'est New Leaf et Spire Crest. C'est 2020 et 2022. Oui, on est nourri. 8,3. Vous voyez, elle est même mieux notée New Leaf. Mais bon, de ce que les joueurs expérimentés me disent de ce jeu, Spire Crest, ils la mettent souvent en tête. Mais bon. Voilà. New Leaf et Spire Crest, c'est pas mal. Dit les aventuriers du rail de la forêt. Ouais, c'est ça. C'est un peu le principe, ouais. Alors, toc, voilà notre Everdell. Alors, Everdell, on va le mettre là-bas. Toc. Donc, lui, c'était le 19e. 20e, on avait Château-Blanc pour les retardataires. Et 19e, Everdell. Qui en a en 18e? Alors, celui-là risque de vous surprendre. C'est un petit, très petit pot d'ouvrier. Et je n'ai pas mis son grand frère. Parce que j'aime bien, mais ça m'a pas non plus transcendé. Je préfère celui-ci. J'espère que vous n'allez pas me trop me critiquer. Alors ça, c'est l'ancienne boîte d'il y a quelques années. Et c'est en fait un Agricola deux joueurs avec un système. Voilà, ça c'est le plateau. Ici, on va poser nos ouvriers pour faire nos actions. Du coup, voilà, c'est vraiment, donc c'est un poste d'ouvrier. Et on va créer des enclos à animaux, acheter des bâtiments, cloisonner, faire se multiplier nos animaux, récolter des ressources. On va mettre des petites barrières, tout un tas de trucs. Et là, ils avaient sorti 3, 4 extensions. Donc maintenant, c'est une big box avec plein de trucs dedans. Et c'est vrai que celui-là, j'avais même fait le net de l'eau. C'est toujours un plaisir d'y retourner, quoi.
Voilà, c'est un poste d'ouvrier à la cool, mais celui-là, je kiffe, j'aime bien le design, j'aime bien le style, j'aime bien le côté condensé de la pose d'ouvrier, j'aime bien la manipulation des petits animaux, voilà. Agricola, le reproche que j'y fais, c'est que quand tu joues avec quelqu'un qui sait jouer, il connaît le chemin. Et moi, les jeux où tu connais le chemin, ça me gêne un peu, parce que tu dis que le jeu, il a ses limites. Voilà. Tu l'as quand même globalement sur des jeux, mais il y en a certains jeux où c'est tellement exacerbé, tu dis voilà, faut les deux, trois premières actions, je fais ça, je fais ça, je fais ça, voilà, je connais. Je connais le Kung Fu. Donc moi, ça me plaît moins. Mais bon, voilà, c'est une petite remarque de joueur, mais. Donc celui-ci, Agricola Terre d'élevage, je ne sais plus comment il s'appelle, Family ou un truc comme ça, mais celui-là, il est bien. Ouais, Rosenberg et l'agriculture, je dirais même Rosenberg et les moutons, peut-être. Peut-être que voilà, son rêve ultime, c'était d'élever des moutons et il se défoule en fait sur les jeux de société. Eh ben écoute, j'aime pas les jeux à l'allemande, mais celui-là, il a du charme, tu vois. Quand tu vois les dessins, c'est pas un dessin à l'allemande où le mec il est traviole, je sais pas, il y a voilà, j'ai de la sympathie pour ce jeu esthétique, même si ça vaut pas un apiari par exemple. Mais je sais pas, il y a du charme. Il y a un petit côté tranquillou, tu vois, un peu comme dans l'âge de pierre, ce côté-là, avec des petites scénettes et tout. J'aime bien quand il y a des petites scénettes. Ça rend le jeu joli, vivant. Donc c'est vrai que c'est pas habituellement mon petit graphique, mais celui-là, voilà, il a une petite place dans mon cœur, esthétiquement malgré tout. Même si voilà, quand je pose à côté d'Everdell, ça fait bizarre, mais. Et vous voyez, il y a marqué Philosophia dessus, qui était à la base un de mes éditeurs préférés, fut un temps, à l'époque où ils existaient avant de se faire acheter par Asmodée. Et Asmodée a récupéré pas mal de leur catalogue et ils faisaient des jeux incroyables, quoi. C'est eux qui faisaient Targi, par exemple. C'est eux qui faisaient La Havane, qui revient à la fin de l'année. Yes! C'est eux qui faisaient Lord of Scotland. Oh, j'espère, alors celui-là je le dis souvent, j'espère qu'il va être édité, il est tellement bien. Voilà, donc c'était la petite aparté sur Philosophia. Et on va continuer notre taupe. Ensuite, alors celui-là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'y garde un bon souvenir. Donc, c'est Century. Donc on va le mettre comme ça, là on le voit. C'est Century édition Golem, ah non, en catégorie édition Golem, parce que j'aime moins quand c'est le côté réaliste de Century. Un monde sans fin, donc c'est le poste d'ouvrier de cette trilogie-là. Eh oui, Marie dit, c'est vrai qu'il est top Lord of Scotland, ouais. Il est tellement beau. Il n'y a rien à changer dans le jeu. Rien n'a changé, esthétiquement et mécaniquement, il n'y a rien à changer. Donc en fait, on le voit là. Celui-là, je ne l'ai pas dans la Ludo. Il m'en reste plus beaucoup. Je suis même plus sûr qu'ils sont encore édités. Donc celui-là, je ne l'ouvrirai pas dans la Ludo, malheureusement. Donc en fait, vous voyez, on a des petites gemmes ici, qui est la particularité de cette trilogie, c'est qu'on a toujours ces jolies gemmes-là qui est un plaisir à manipuler. Et en fait, on a nos ouvriers qu'on va envoyer à différents lieux pour transformer des ressources, pour gagner des cartes, remplir des contrats, ce genre de choses-là. Alors, je veux pas dire de bêtises sur la mécanique du jeu parce que ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué. Et c'est quand j'ai pensé à Century, je me dis, ouais, je me rappelais avoir eu pas mal de plaisir à y jouer. Et avoir ce système avec les, je crois qu'on a 7 ouvriers, il me semble, et il faut surenchérir. Il fallait surenchérir sur les actions des autres. Et ça, quand on retrouve dans Honey Buzz, moi j'adore quand on se place à un endroit en se disant, ben l'autre, il va payer plus pour y aller. Et ça, c'est une mécanique dans la pose d'ouvrier qu'on voit pas toujours dans les poses d'ouvrier, parce que généralement, c'est. Tu bloques un emplacement et tu peux plus y aller. Du coup, ça c'était vraiment le gros point fort de ce jeu-là, c'est la surenchère d'ouvriers. Donc, on va le mettre. Alors, attendez, on va le mettre celui-là. Il doit empiler, hein. Sur Everdell, voilà. C'est tout. Cette satisfaction, Marie dit, cette satisfaction de manipuler les grosses gemmes. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa, les gemmes. Et ouais, c'est joli. Hein.
C'est vraiment magnifique. Alors, ensuite, on va passer en 16e position à un jeu qui était en Kickstarter. Cook. Alors, comment je vais mettre la zénithale? Voilà. Alors, c'était un jeu qui était en Kickstarter. Il me reste encore une boîte sur les druides. Oak. Ou Oak, je sais pas, je sais plus, je crois qu'on dit Oak. C'est du celte. Hein. Voilà. Donc là, je vais le. C'est un jeu de Game Brewer importé de Belgique qui n'est pas distribué en France si on ne va pas le chercher directement chez nos amis belges. Et le matériel est absolument oufissime. Ah voilà. Là, le genre de truc que j'adore, c'est ça. Vous voyez? Alors attendez, je vais tout droit. C'est en fait l'intérieur, ils ont décoré. C'est malade. L'intérieur de la boîte. Non mais vous êtes barges les mecs. Voilà, le truc qui sert à rien, juste pour c'est beau. Voilà. Je vais le mettre, je vais montrer sur la Sony. Parce que c'est. Regardez ça comme elle est belle, l'illustration. C'est absolument incroyable, quoi. C'est super, super beau. Et ça, c'est juste l'intérieur de la boîte. Donc on commence très fort. Le plateau est sublime aussi. On va le regarder. Ah. Toc. Je vais enlever celui-là. Regardez ce plateau. Donc là, quand vous allez voir le plateau, vous allez dire, ah oui, c'est un poste d'ouvrier, ça. Toc. Voilà. Voyez le plateau comme il est chouette. Et du coup, en fait, on joue. On a chacun un plateau personnel. On joue des druides. Et qu'on va pimper. Non, je vais vous montrer les éléments parce que à l'intérieur de la boîte, on a aussi des trucs très très bien pensés. Des boîtes de rangement qui sont très chouettes. Hop. Voilà, ça c'est la boîte que l'on a. Et pour nos petits personnages, les ouvriers qu'on va pimper, donc on va pouvoir les spécialiser. Toc, voilà. Là, mon druide, il est différent. Il a été upgradé. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on va faire différentes actions grâce à un système de cartes. Et dans ce jeu, le truc que j'aime bien, je vais vous montrer. On a chacun un plateau personnel. Alors, on sort tout. Allez, c'est bon. Allez, allez. On sort les éléments parce que ça vaut le coup, il est cool. Ça, c'est notre plateau personnel. Et en fait, vous voyez, il y a des encoches. Parce qu'il y a certaines actions qui vont nous permettre de récupérer ces éléments-là. Et ces éléments-là, à chaque fois qu'on va les utiliser, on va faire un cran comme ça. Et au début, on a des gains. Mais si on est trop gourmand, qu'on l'utilise trop, ben on va avoir des points négatifs. Et du coup, il va falloir recruter des éléments comme ça pour récupérer des ressources, ce genre de choses. Et c'est là, sur notre board, on a nos ressources qu'on va avoir. On va débloquer grâce à nos ouvriers spécialisés que l'on a upgradés, comme je vous ai montré, ça va débloquer des actions. On va créer des potions, vraiment dans le monde celtique. Et ce qui est sympa, c'est que, hop, je vais vous montrer là. Ici, vous voyez le grand chêne, le chêne sacré là. Et ben en fait, sur le chêne sacré, on va créer une course-poursuite entre nos druides. Et en fait, on va monter de branche en branche. Bon, ça fait un peu les druides singes celtiques, mais non, faut pas imaginer les druides en train de se taper, se mettre des coups de pied dans l'arbre sacré ou des coups de tête à la Astérix. Mais l'idée, c'est qu'on va prendre des chemins pour gagner des points de victoire, ce genre de choses-là, quoi. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la course pour essayer d'être bien placé
dans cette course-là sur le chêne. Il va y avoir récupéré des tuiles spécifiques, on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'avoir des actions différentes en fonction du type de symbole. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent, qui sont très sympas. Vous voyez, là, on voit trois symboles, la plume, la pierre et le gui. Et en fait, en fonction de la localisation de la carte qu'on joue, on se localise différemment. Bon, je vais pas vous expliquer le jeu parce qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent, mais en gros, les points forts du jeu qui me plaisaient, c'était ce système-là. Qui bouge un petit peu à la Zolkin, on va dire. Le système de cartes rattaché au symbole et la course-poursuite sur le chêne. Voilà, il est très varié comme jeu et le fait de lui grader ses druides et d'avoir un matériel de ouf. Ça, c'était les gros. Encore des druides hippies. Ouais, les druides, c'est peace and love, hein, les mecs. Hein. Donc, sauf ce que je vous ai dit, les coups de tatane dans le chêne, ça y va. Donc, un druide énervé. Ça envoie quand même, hein? Hop. Donc, voilà. Je range un peu le jeu en attendant. Comme ça, vous restez sur la vision de ce très beau chêne. Je vous montre juste la boîte avec les rangements. Oui. Toc. Très bien pensé. Hop, on va ranger ça. Et après, on va passer à un autre jeu. Allez, les druides, on remplit dans votre forêt. Oups. Et on va passer au suivant. Voilà, Game Brewer. D'ailleurs, j'attends en fin d'année. Ah, mince, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah oui, ça, il y avait ça aussi. Ça, je vais le montrer. Ça, c'était les ressources sous forme de jetons en bois. Donc, ça, c'était cool aussi. Voilà. C'est bon, on a tout montré. Et ça, je le rendrai à l'ouverture du show. Donc oui, je disais qu'à la fin de l'année, j'allais avoir un jeu sur les dinosaures en fait de chez eux. Comment il s'appelle déjà? Bone Wars. Bone Wars, ouais, c'est sur les dinosaures. On va faire des extractions, on va se battre avec les autres musées, tout ça a l'air super bien et très très beau aussi. J'aurai la version de luxe évidemment. Bonne noire, vous pouvez déjà vous renseigner si vous voulez me réserver une boîte pour la fin de l'année, ça va tabasser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en 16e? On passe dans la chevalerie. Glory, celui-là aussi, il n'est plus édité. Il me reste une boîte. Je me tâte à l'ouvrir pour moi. Franchement. Parce que vous voyez, il est bien placé. Il est 15e. Et on a joué avec Greg et Michel. Je me souviens, on s'était bien marré avec Greg. Parce qu'on se faisait des combats de chevaliers. C'était épique. C'était trop bien. Donc en fait, Glory. Hop, voilà. Alors attendez. On va mettre la Sony. Ok. Alors, Glory, hyper beau d'ailleurs, assez historique, on va dire. Ah mince, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Bon, bref, vous voyez le cercle là. Alors, comment on va faire? Voilà. Donc, en fait, dans Glory, vous avez un plateau qui représente toutes les actions possibles de notre jeu, avec le fait de recruter des alliés. On va upgrader son cheval parce qu'on va faire des tournois en fait. On va upgrader son équipement pour son cheval, pour nous avec de belles armures et tout ça, les illustrations, des plaques d'armure, des chevaux, des chevaliers, super beau. Et en fait ici, vous avez une espèce d'annexe où vous allez faire des tournois à la fin de chaque manche. Et on va pouvoir se battre entre nous, ce qui est super kiffant. On a un système de dés. J'adore les jeux de dés. Et en fait, tous les chevaliers qu'il y a dans le jeu, ce sont des vrais chevaliers.
Donc quand on fait les combats, avec Greg, on s'était bien marré parce qu'on s'était fait roleplay et c'était vraiment, on était vraiment dedans, quoi. Donc il y a le côté poste d'ouvrier en choisissant ses bonnes actions pour récupérer de la thune et d'autres éléments d'équipement, de façon à pouvoir être bien placé dans le tournoi et combattre les autres chevaliers. Voilà, c'est pas l'aboutissement, le tournoi, mais ça fait partie aussi du scoring, et c'est intéressant de se préparer pour le tournoi, quoi. Ça, j'avais bien aimé. Et vraiment magnifiquement produit par Super Meeple, quoi. Glory, très bon jeu de poste d'ouvrier. Dans la chevalerie, c'est pas commun les jeux avec des chevaliers, mais franchement, celui-là a grande réussite et graphiquement et mécaniquement. Donc, très 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 bon jeu. C'est dommage qu'ils disparaissent d'ailleurs, parce que c'était vraiment très chouette. Et là, Olivier, qui est mon support technique, qui dit fait par deux Polonais dont la passion est la reconstitution médiévale historique avec costume et armure. Ben oui, c'est vrai, ça se ressent parce que c'est vraiment. Même si c'est quand même haut en couleur, on sent quand même que c'est fait de manière pointue, quoi. Et Didier, je dis toujours dans ma Ludo. Marie, non, on l'a plus dans sa Ludo, mais voilà. Après, c'est ça le principe en fait du jeu de société, c'est de la culture, c'est de l'échange, c'est de la sensation. Des fois, on n'a pas la même sensation en fonction de avec qui on joue. Donc, ça reste subjectif, mais c'est toujours un plaisir d'échanger sur les jeux, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, 15e Glory. Et c'est vrai, quand on aime aussi les wargames comme moi, les combats de chevaliers, ça fait kiffer aussi. 14e. Alors le 14e, il va faire plaisir à Olivier. Comment je pourrais présenter ce jeu-là? Alors, on va changer de caméra déjà. Coucou Nico. On t'a vu Nico, t'as vu arriver. Alors, je vais essayer de le faire deviner à Olivier. Si je te dis, c'est un jeu que l'on a vu dans Plateau Magazine par tes soins et que tu as pris des photos comme un paparazzi dans ma boutique, tu vas trouver tout de suite. J'attends la réponse d'Olivier. Hein. Mon 14e. Est-ce qu'il va trouver mon 14e? Je suis sûr qu'Olivier va trouver mon 14e, c'est obligé. Alors, je le cherche en entendant. Et il est là. Et il n'a pas trouvé, Olivier. Ah si, il a trouvé, c'est ça. C'est Edge of Comics. Hop. Alors, voilà, là, vous le voyez. C'est Edge of Comics, mon 14e. Superbe. Superbe, original, hyper fluff, comme on dit. Si on est vraiment rendant la peau vraiment d'éditeur de bande dessinée américaine, fait par des Italiens d'ailleurs, des Italiens qui sont des grands fans de toute façon de BD, hein, de BD, de comics, ils ont une belle école en Italie sur ce genre-là. Et oui, effectivement, c'est bien Edge of Comics. Toc. Le Edge of Comics, le magnifique. Toc. Si je vais faire un, je vais essayer de faire quelque chose de plus haut. Attendez. Hop. Parce que là, chaque fois, je me tords là. Voilà. Hop. Excusez-moi pour le réglage. Voilà, c'est un peu plus haut, c'est mieux. Donc, Edge of Comics. Donc là, c'est les règles en anglais. Hein. Je vais vous montrer le plateau. Pour décrire un peu les actions. Et Olivier me dit que c'est un couple, hein, d'Italiens. Alors quand tu dis couple, c'est de façon schématique ou c'est vraiment des gens qui vivent ensemble dans leur vie et qui jouent le soir chez eux ensemble avant d'aller se coucher au jeu de société? Parce que ça, j'ai pas l'info, moi. Mari et femme, ben voilà. Donc on a l'info exclusive, c'est mari et femme. Donc,
Voilà. Et donc, en fait, vous voyez le plateau qui est assez large. Hein. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va mettre nos ouvriers ici, sur ces sections, pour récupérer de l'argent, pour recruter, en fait, des scénaristes, des dessinateurs. On va aller dans Manhattan pour distribuer de kiosque en kiosque nos pulps, on va nos comics, on va même en fait créer par moment des contrefaçons et en fait on va suivre la popularité de nos comics qui vont être là. Et ce qui est sympa dans le jeu, bah tout est sympa dans le jeu. Ce qui est sympa, c'est le matos aussi, qui corrobore à la qualité du jeu, quoi. Voilà. Donc, comme disait Olivier, on sent que ce sont un couple qui a mis tout son amour dans le jeu, quoi. On a des éléments en énamel, parce que il y a un côté collection quand même. Vous voyez, on va être celui qui fait le plus de romans d'amour, etc. Et ça, c'est en métal. Je vous montre. Les petites couvertures de comics, ouais, c'est dingue. Donc, n'hésitez pas à lire l'article dans Plateau Magazine de Olivier. Olivier, tu peux nous rappeler le numéro de. Dans quel numéro Plateau Magazine il y est, son ton article? Oui. Chouette, ça. Ça tabasse. Olivier va nous dire dans quel Plateau Magazine vous pouvez lire son article. Alors moi j'ai fait ça, bon moi je suis très capsule, j'ai pimpé le jeu, vous voyez, j'ai mis les éléments dans des capsules. Et bon, bref, ça peut-être pas comme ça, mais c'est moi qui l'ai fait en plus. Et je vais vous montrer, comme disait Marie, les comics, parce qu'on va vraiment manipuler des comics. Vous voyez? Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, fait le point. Vous voyez? Et vous avez différentes familles de comics. J'en ai trouvé d'autres. Oula, pardon. Oui. C'est chouette, hein? Très très bien fait. Et ça, il y en a des dizaines et des dizaines dans la boîte de comics différents. Voilà. Et le jeu est vraiment bon. Franchement, très plaisant à jouer. Il y a vraiment une course-poursuite entre les joueurs. On essaye de faire les bonnes combinaisons, de choisir, comme dans tout bon poste d'ouvrier, les actions au bon moment. Je vais montrer quelques cartes. Et ouais, les cartes, en fait, on voit les comics aussi. Hyper bien retranscrit, quoi. C'est tout à fait ça, quoi. Les illustrations, ça pourrait être des vrais, quoi. Mais c'est vrai que ça a du charme, hein, en fait, ces titres, cette face, ce style, quoi, c'était trop trop bien. Voilà. Vous avez vu. Affiche de film pour moi. Ouais, carrément. Non, super, super beau, bel objet, très bon jeu. Qui était en Kickstarter. J'ai la chance d'avoir quelques boîtes. Et je suis content de mon investissement parce que ce jeu méritait à avoir de la visibilité. Et Olivier, je sais pas si tu as dit pour quel super boulot d'illustratrice, ouais, carrément, elle a trouvé l'esprit, quoi. C'est dans quel numéro de Plateau Magazine, Olivier? Ton article sur Edge of Comics, je te relance, mais je sais pas si tu as vu. Edge of Comics, voilà. C'était le 14e. Alors, le 13e. Alors, le 13e, c'est un chouchou à mon chouchou. C'est un jeu qu'on a rejoué encore ce week-end pour faire les révisions. C'était un jeu Kickstarter aussi que j'ai réussi à trouver chez Intrafin. Alors, vous voyez en dessous de ma table, là. Pour ceux qui sont attentifs. C'est un jeu que j'ai trouvé, en fait, chez Intrafin, parce qu'il n'est pas distribué en France en retail. Et j'ai trouvé en Belgique aussi, chez nos amis d'Intrafin. Et Génotype, il est très plaisant en fait, très pédagogique. Et pour la petite histoire, c'est le millième jeu auquel j'ai joué. Et en fait, quand je suis arrivé à 999 jeux, je me suis dit, ah, faut que je trouve un jeu symbolique quand même, quelque chose, un jeu que j'avais pas encore testé, mais qui soit symbolique. Et je voulais absolument y jouer avec mon fils.
puisque ma première vidéo que j'ai fait en 2016 c'était avec lui, et bon, j'ai toujours initié dans le jeu de société et tout, on a tout il a grandi avec le jeu de société quotidiennement, et c'est vrai que Génotype, ça parle de la transmission génétique. Et donc globalement plus la transmission, et je voulais que ce millième jeu soit en rapport avec la transmission. Et du coup, Génotype, il y a ce côté transmission. Puisqu'on parle des travaux d'un moine du 15e ou 16e siècle, je crois, 16e siècle, on va le trouver son nom. Les lois de Mendel, voilà. Les lois de Mendel. Et en fait, l'idée de ce jeu, c'est qu'on va faire des expériences, des croisements génétiques sur des pois. Donc c'est vraiment là-dessus que portaient ces études, hein, à Mendel. Toc, voilà. Et en fait, ce jeu, ce qui est sympa, c'est que on va, il y a des dés. C'est vrai que souvent, vous allez retrouver le dé dans mes tops, parce que le dé, c'est quelque chose que je kiffe, quoi. Alors, c'est pas le cœur du jeu, c'est pas le lancer de dés. Mais ça contribue au plaisir du jeu. Parce que ça, en fait, ça va être nos expériences. Donc, en fonction des expériences, ben, ça va créer certaines associations génétiques. Et du coup, on va avoir les gènes parents qui sont là. Oui, on va avoir les gènes parents. Et en fonction du dé que l'on jette, et ben, ça va faire une association de gènes. Donc, par exemple, là, dans mon expérience, j'ai réussi à faire FF, que je mets ici. Et l'idée du jeu, ça va être de réussir à nos croisements en obtenant, pour les cartes que l'on va avoir ici, obtenir retrouver, en fait, retrouver les gènes que l'on a sur les cartes. Et en fait, à chaque fois qu'on va réussir à prendre des dés qui vont nous remplir toute une carte, on va gagner des points. Pour ça, on va jouer nos ouvriers. Ils sont sous forme de pelle. On a des ouvriers en forme de pelle, quand même. Hein? Des petites bêches, plutôt des bêches peut-être, puisque c'est du jardinage. Donc en fait, vous voyez, ça, ce sont nos ouvriers. Et on va en fait poser nos ouvriers sur différentes zones. Par exemple, si je me pose ici, à la phase où on va récupérer les dés, eh ben, je serai en premier. Et je vais récupérer les dés de mon choix en fonction des cartes objectives que j'ai. Ici, on a la BAC. La BAC, en fait, ça va nous permettre de récupérer des ouvriers supplémentaires, de récupérer des emplacements sur notre plateau personnel, de récupérer des assistants en les payant. Et ce qui est sympa, c'est que tour à tour, à la fin de la phase, on va investir. Et à chaque fois que quelqu'un prendra quelque chose, ça va augmenter son coût. Du coup, il y a la priorisation aussi au-delà de la pose d'ouvrier, de dire moi j'achète en premier, comme ça augmente le coût et peut-être lui ne pourra pas l'acheter. Ou je l'achète maintenant avant que ce soit trop cher et ainsi de suite. Donc, et comme dans toute pose d'ouvrier, on a plein de zones spécifiques. On a l'université, on a récupéré des objectifs, on a récupéré des outils, on a tout un tas de trucs. Et vous montrez le plateau personnel. Donc ça, c'est notre plateau personnel, où on a même une action dessus, de jardinage, qui nous permet de récupérer une carte objectif ou une carte outil. On va récupérer nos dés qu'on va mettre ici, et les cartes, elles vont être là. Donc en fait, en gros, on va être comme ça, par exemple. Imaginons, j'ai les dés comme ça. Et bien à la fin de mon tour, quand je vais prendre les dés, et je vais remplacer par les gènes parents que ça représente. Par exemple, imaginons que ça représente FF. Je mets ça dessus pour dire que je l'ai fait. Et celui-là, par exemple, c'est GG. Je le mets comme ça. Voilà. Et dès que j'ai fini la carte est atteinte, j'ai fait mes objectifs. En plus, dans le jeu, on va pouvoir poser des petits jetons sur ce genre d'emplacement. Ce sont en fait nos recherches principales, les études sur lesquelles on va insister. Et bien ça, pour chaque élément de ce type-là, si on s'est positionné ici, qu'on a payé pour se positionner ici, ben on va gagner une plus-value sur nos objectifs réussis. Ça, c'était très sympa aussi.
Et il y a le côté ressources un peu. Bon, là, on n'est pas bloqué par les sous, mais il faut toujours faire attention parce qu'on n'a pas énormément de sous. Je vais vous montrer en fait des assistants aussi. Et du coup, pour la petite histoire, ça a été un gros coup de cœur pour mon fils. Il a surkiffé. Il a surkiffé mon millième jeu. Dans là, par exemple, ce sont des objets que l'on récupère. Donc ça, par exemple, ça permet, si on pose un élément comme ça, sur FF, ben sur tous nos FF de notre plateau personnel, ben on peut le poser. C'est souvent des objets one shot. Et on a les assistants qui sont des moines aussi. Alors attendez, ils sont là. Voilà. On a par exemple. Comment il s'appelle lui? Pater Edouard. Et chacun nous apporte un bonus. Voilà, on peut recruter aussi des assistants moines. Vous voyez? Il est joli le design aussi. C'est très sobre, mais c'est sympa. Ça va bien avec cet univers-là. Et le plateau, il est joli aussi, hein. C'est un beau jeu, hein. Salut Mister Solo Board Game. Donc si vous voulez le tester, Génotype, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le tester, c'est quand vous voulez, hein. C'est vraiment un jeu que je kiffe. Et vous voyez, le matériel, il est sympa, assez immersif. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment pure pose d'ouvrier, mais très agréable. Hop! Alors, je vais remettre les dés là-dedans. Et on va passer au jeu suivant. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait sur Edge of Comic, Olivier me dit dans l'oreillette que c'est dans le numéro 163. Vous pourrez trouver l'article d'Olivier sur Edge of Comics. Donc, foncez chez moi ou votre libraire pour prendre le 163 de Plateau Magazine et comme ça, vous pourrez voir ce dit Olivier sur ce magnifique jeu italien. Voilà, Génotype. Aucun. Mendel. Hop. Ensuite, qu'avons-nous? En 12e position. Il est en kiosque. Il n'est pas en kiosque, plateau. Ben non. D'accord, ben ça sera que chez les ludicaires. Désolé pour les kiosques, mais c'est uniquement chez les ludicaires. Voilà. Merci, Olive. Nous sommes à la combien non, 12e. 12e. 12e position. Holy Bros. Choc! Le magnifique aussi Honey Buzz. Ça, vous allez voir. Ça tabasse aussi esthétiquement. Donc, c'est beau. Bon, on a des jeux très variés esthétiquement. C'est ça qui est incroyable aussi dans l'univers du jeu. C'est quand vous regardez la variété de ces jeux. Là, je vais juste hop, faire ça. Quand vous voyez la variété esthétique des jeux. On hallucine quand même, parce qu'on regarde une différence. Edge of Comics, c'est beau. Génotype, c'est beau. Glory, c'est beau. Onebus, c'est très beau. Et c'est des approches graphiques qui sont à chaque fois très très éloignées les unes des autres. C'est là où on voit que c'est de la culture. C'est qu'on a vraiment une expression esthétique liée souvent à l'ergonomie du jeu et l'approche graphique à une sensibilité. Donc, ce sont de beaux objets, hein, les jeux de société. Mais je vous apprends rien. Donc en fait, dans Honey Buzz, on a un truc que l'on retrouvait dans Ceinturée, que je vous avais dit que j'affectionnais bien, c'est la surenchère d'ouvrier lorsqu'on veut se positionner. Et on a des jolis. Alors moi, je les aime pimpés. Vous savez que j'aime bien pimper les choses, même si c'était très beau à la base. On a en fait des abeilles que l'on va positionner sur ce plateau supérieur-là. Si je me mets ici, le prochain, faut qu'ils mettent deux abeilles. D'accord? Et en fait, chaque élément va me permettre de récupérer des tuiles, une tuile, ou de faire des actions. Et en fait, la particularité, c'est que vous voyez, nos actions, elles sont sur les tuiles. Et lorsque je vais constituer ma ruche, on va être dans ces positions comme ça. Quand je vais fermer, je vais pouvoir faire toutes les actions qu'il y a autour. Faire des naissances, récupérer un contrat, ré récolter
Du miel, ce genre de choses. Et le miel est de différents types, avec des petites gommes. Cela ne se mange pas, d'accord? Et en fait, on va faire des contrats. On va nous demander certaines essences. On va les vendre pour se faire de l'argent et des points de victoire, accessoirement. On va honorer des objectifs qui sont pour tout le monde, en fait, des objectifs publics. Et l'association du jeu, ça va être la constitution de cette ruche, la vente et la récolte de différents types de miel, et la réussite d'objectifs et de contrats publics, quoi. Voilà. On a même du pollen. Ceci est du pollen. Voilà. Donc, surenchère d'abeilles, d'ouvriers sur des actions, création de tuiles pour du miel, objectif, tout ça. Ah oui, il y a ça aussi. Déplacement de notre abeille pour essayer de récolter les différents types de miel qui vont compléter nos alvéoles. Ça aussi, la stratégie du déplacement pour essayer de récolter les bons éléments pour compléter notre ruche, c'est vachement intéressant. Donc il y a plein de points super positifs dans ce jeu. C'est très très plaisant, très 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 joli, très calme. Et franchement, on est buzz, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Tellement zen à manipuler. Donc un bon jeu. Vous voyez, on a notre ruche, hop, pardon, dans l'autre sens c'est mieux, notre ruche perso. Honey Buzz, très sympa aussi, de Lucky Duck Game. Je sais pas s'ils en ont fait beaucoup de postes d'ouvriers Lucky Duck Game. Je crois pas hein, qu'ils en aient fait des masses. En tout cas, le mot d'ordre de Lucky Duck, c'est toujours hyper esthétique. Leur prochain qui va sortir, là, on est en mars, ça va être début avril, je crois que ça va être Wonderland War. Ça aussi, ça tabasse. Ça va être super beau. Ok. René Buzz. Alors attendez, je regarde un peu le chat, voir ce qu'ils me disent. Olivier, choupiné visuellement et pourtant très casse-tête côté construction, optimisation de sa ruche. Oui. Et vraiment la richesse de ce qu'on fait. On constitue notre ruche, on vend du miel. Il y a plein de choses sympas à faire. C'est ça qui est cool. Hop. Alors, on est en top, 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 12e position, maintenant 11e. 11e, 11e, eh ben ça va être le dernier, là. Ça va être le dernier, déjà? Oh mince, je suis choqué, là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en 11e? Alors, celui-là, il va aller sur là, ici. Hop. Et le 11e, c'est un jeu magnifique, un jeu qui vient du Kickstarter aussi. C'est une pépite. Je me rends compte à quel point les postes d'ouvriers qu'on a là, ils sont beaux en fait. C'était pas voilà, c'était la mécanique alliée à la beauté du jeu, c'était tout un tas de paramètres qui ont fait qu'il soit entre le 11e et la 20e place de tous les jeux que j'ai testés. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je suis en admiration. Donc le 11e, c'est Endless Winter. Toc! Voilà, super beau jeu. Alors, très bon, très beau, très riche, plein de choses à faire dans ce jeu. Un petit peu déçu quand même, parce qu'il s'est pas super bien vendu. J'ai du mal à comprendre, parce que il est tellement riche, tellement rejouable, et tellement de qualité, tellement beau, tellement, il est tellement, il est tellement, il est tellement. Et voilà. Il en reste encore quelques boîtes, sachant que c'est du one shot, les gars. C'est Endless Winter. Dès qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, pleurez pas. Hein. C'est fini. C'est fini. Plus Endless Winter. Allez, c'est la fin de l'hiver. Donc, Endless Winter, ouais, c'est un super jeu. Faut qu'on y rejoue. Il y a des modules. Il y a, je sais pas, 5-6 modules. Il y a des modules qui sont super cool. Un module où tu dessines, par exemple, t'as différents animaux. C'est vraiment topissime comme jeu, quoi. Franchement, je suis dithyrambique sur mon avis, mais c'est tellement chouette. Alors, ben, on va vous prouver, déjà, esthétiquement. Donc, c'est Miko, déjà, qui a illustré, le grand Miko. Très, très bon. Je pense que je ferai un top 10 aussi de mes illustrateurs préférés. Bon, Miko, il y sera. Je vous spoil, mais Miko, il y sera, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer?
Ah oui, alors ça, en fait, course-poursuite. Ça, j'aime bien aussi quand il y a ce côté, il faut être devant les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu accélères là-dessus ou pas? Moi, j'aime bien cette mécanique-là. Alors, on a ici le plateau avec les différentes actions. Donc, on est à l'ère préhistorique, donc on va chasser des animaux, récupérer des ressources, on va faire de l'exploration. Ça, l'exploration aussi, c'est bien sympa. Il y a de l'interaction là-dedans. Oui, ça, c'est le marché où on va chasser les animaux. Notre plateau double dash. Voilà. Avec un peu à la site, en fait, on va avoir nos éléments dessus en 3D. Et on va, en fait, débloquer nos éléments les uns après les autres. Et qui vont nous donner des bonus. Ici, c'est notre truc perso. Avec les petites huttes. Vous voyez? Et j'ai le mammouth aussi. Je vais vous montrer le mammouth. Il est fait. Il est où? Il y avait mon truc, j'ai plus mon truc. Bon, il est perdu pour le garçon. Ok, bon, c'est pas grave. Ça va être le live, c'est pas grave, c'est le dernier. Après, j'ouvre la boutique. Je vais vous montrer. Ouais. C'était le mammouth. Hop. Tadam! Le point sur le mammouth. Alors là, on a notre chef de clan. Fais le point sur le chef de clan. Voilà. Très belles les figurines. Alors, j'ai pas envie de les peindre. J'adore la peinture, mais j'ai pas envie de les peindre. Elles sont tellement bien comme ça. La couleur, elle va tellement bien avec le jeu que brut, elles sont chouettes. Pas besoin d'en rajouter, Maxwell, hein. Hop, on va montrer à notre chef. Donc ça c'est juste pour faire beau, hein, c'est notre chef. Voilà. Genre de choses inutiles mais indispensables. Lui, il rigole pas. Hein. Lui, c'est le clan des mecs qui rigole pas. Hop. Allez, on en montre encore un, parce qu'ils sont vraiment beaux. Ils ont fait l'effort de faire des figurines. On va faire l'effort de les montrer. Toc. Voilà, très sympa. Vous voyez, il fait froid, ils sont bien couverts. Alors, on a un côté exploration, parce qu'on va avoir des tuiles comme ça. On va créer en fait un réseau de tuiles. Et on va se déplacer de tuile en tuile pour mettre nos villages, nos huttes qu'on a vues précédemment. Et en fait, il va y avoir un système de majorité, on va en déclencher des actions spécifiques qui vont être super. Et on va jouer différents types de cartes qui vont nous permettre d'accroître l'influence de notre clan et de gagner un maximum de points de victoire. Alors ça doit être les cartes chasse. On va tabasser des animaux pour bouffer. Vous savez qu'à l'époque, ils ne bouffaient pas souvent. Par contre, là, si tu chopes ça, là, tu manges. Hein. Là, tu n'as plus faim, là. Sympa, hein? Les illustrations, elles sont cool, hein? Je m'en rapproche un peu, ouais. C'est du Miko pure souche, hein. Mais c'est quand tu regardes ces illustrations, ça dégage quelque chose. On dirait presque que les animaux, ils pourraient. Tu vois, ils sont en mouvement là. C'est con, mais tu vois, tu l'imagines en train de crapahuter. Là, tu as l'impression qu'il a vu quelque chose, qu'il est aux aguets. Il se passe quelque chose dans ces illustrations, c'est ça qui est chouette. Des fois, dans nos ressentis, c'est difficile à expliquer, mais voilà, c'est vivant. C'est vivant. Miko, il est trop fort. Et c'est là où on voit quand même l'impact de l'illustrateur, parce que tu fais Endless Winter avec un autre illustrateur, t'as pas la même sensation. Je suis un fan inconditionnel de Miko, Marie, ouais. Et je crois qu'Olivier aussi adore. Tu parles de l'extension pour Endless Winter? Endless Winter, j'ai trois extensions. Je ne suis pas sûr de les avoir encore. Attends, petite aparté, je vais regarder. Oui. Il me reste bien encore un pack de trois extensions, mais c'est les dernières des dernières. Hein. C'est les dernières des dernières. Voilà pour Endless. Et voyez le rangement aussi, il tabasse quoi. Oh là là, c'est super beau. Hein. Voilà. Là, vous voyez pas mes bras se soulever, si vous allez le voir.
Tu fais comme ça. Enfin, c'est. Tout est dit. Ah, Moi, j'avais pas montré les petits jetons aussi. bon, je vous montre les petits jetons comme ça, vite fait, pour le plaisir. Hop. Voilà. Là, vous avez tout vu. Bon, ben voilà, on va mettre fin. C'est quelle heure est-il? 9h57, pile poil pour l'ouverture de la boutique, c'est génial ça. Ben voilà. On a fini notre première partie de 11 à 20. C'est magnifico! Eh oui, c'est magnifico! Hop, on va mettre sur la caméra face. Cook, comme ça on discute tranquille entre nous. Voilà. Donc là, j'ai fini de mon 11e à ma 20e place. C'est un peu le why, là, on voit plein de jeux, mais bon, c'est des jeux, on s'en fout. C'est super cool. Je vais résumer mon 11e à mon 20e. Comme ça, après, ceux qui veulent juste voir la fin de la vidéo sur le résultat, voilà, ils peuvent zapper directement ici. Et prochainement, je ferai ma vidéo du 1 au 10, donc de la crème de la crème de la pose d'ouvrier absolue de tous les temps. Alors, donc, 20e, on avait dit Châteaublanc, qui n'est pas là puisqu'il est en rupture et il sera début avril promis en boutique. 20e, donc Châteaublanc. 19e, Everdell, que vous devez voir par là. 18e, Agricola Terre d'élevage. C'est un petit peu mon chouchou, un petit peu décalé par rapport au reste qu'on a pu voir, mais que j'adore, j'adore. J'en fais une quand vous voulez, hein, de Terre d'élevage. De toute façon, tous les jeux qu'il y a là, vous m'appelez, vous faites un appel anonyme le matin. 2 heures après, c'est sur la table, prêt à jouer. Moi, je suis là direct au taquet. Hein. Ensuite, 17e, Century, édition Golem, un monde sans fin. 16e, Hoc, comme dirait Tourteau, sur les druides hippies, pour faire référence à certains membres de la communauté. 15e, Glory, voilà. En plus, merci à Olivier parce qu'on a appris aussi des choses techniques sur les jeux et tout ça. Ça a été un bon soutien. Merci Olivier, je t'embrasse. 15e, Glory. 14e, Edge of Comics. Du coup, on parle d'Olivier, donc dans Plateau Magazine. 13e, Génotype, le coup de cœur de mon chouchou et mon millième jeu testé. 12e, Honey Buzz, le magnifique Honey Buzz de Lucky The Game. Et 11e, cet incroyable jeu qui va bientôt disparaître des boutiques, je vous le dis, malheureusement. 11e, Endless Winter. Voilà, bah écoutez, on a la première partie de mon top. Merci pour tous ceux qui étaient sur le chat pour leur expertise. Je t'embrasse éternellement. Oui, Olivier, si jamais ta femme voit la vidéo, on ne voudrait pas avoir des problèmes. Voilà, on la salue aussi. Bisous, bisous. Marie-Ange, de Ludicatitude. Et du coup, n'hésitez pas à voir cette vidéo, à venir tester les jeux dans ma boutique à La Penne-sur-Yvonne. Voilà, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir et d'échanger sur notre passion et passer un moment autour d'une table. Voilà, c'est cool. Merci, merci à tous les passionnés de jeux. Encore merci pour ceux sur le chat qui ont fait des commentaires sur les jeux et tout ça. La suite demain, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je verrai, mais bientôt. J'ai ma liste hein, des 10 premiers. Je regardais d'ailleurs si personne la voit là. J'ai ma liste des 10 premiers, ça c'est prêt. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur le Discord de quand sera la suite ultime, le top 10 ultime de la pose d'ouvrier. Eh bien écoutez, je vais mettre fin au live. Merci à tous encore d'avoir suivi sur Twitch. La vidéo sera visionnable sur YouTube. Si jamais vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas. À très bientôt dans ma boutique, autour d'une table et jouez bien. À bientôt!